Eh bien, bonjour tout le monde, on se retrouve sur Un Blog saison 2. Et oui, ça a changé. Alors, on démarre pas, enfin, je démarre pas depuis le tout début cette fois-ci, c'est-à-dire que, vous voyez, on a déjà des trucs de construit. C'est assez imposant. Donc, j'ai préféré démarrer en vitesse cette saison-ci. Démarrer un petit peu en avance de mon côté avant de record. Donc, cette saison-ci, ce sera un petit peu différent, comme vous pouvez le voir ici, on a une sorte de base. Donc en fait, cette saison, on va avoir en fait deux équipes qui vont s'affronter dans des Capture the Flag en live. Et puis voilà, ça va être un petit peu ça. Donc c'est radicalement différent puisque la dernière saison, on faisait des bases chacun dans son coin, etc. Un petit peu à la Holy Cube, hein, c'est un peu le même genre de concept. Là, cette fois-ci, ça va être un PVP faction en quelque sorte entre deux équipes qui sont déjà déterminées. Moi je suis dans l'équipe bleue pour l'instant. Enfin ça, je compte pas changer bien sûr, mais on a déjà des douves parce que j'avais pas regardé avant. Comme on est en équipe, il y a des gens qui construisent et puis moi je regarde. Je suis un peu le contremaître qui vient vérifier que le travail est correctement fait. Mais ouais, c'est bien fait. Donc on va aller voir directement la base. Donc ça c'est notre base. Et après on ira voir la base de l'équipe adverse qui est plutôt loin. Alors ici on a des coffres. D'ailleurs on a pas mal de minerais. On a 22 diamants plus 4 blocs de diamants. On a de l'or, fer, ouais, on a pas mal de trucs. On a de la nourriture, etc. Bois dérivés, terre et d'ort. Donc on a la durite notamment, bon, pourquoi pas. Et on a un name tag. Et toutes sortes de choses. Et même des lits. D'ailleurs je crois que j'avais pas set mon spawn. Maintenant je viens de le set. À destination de celui qui fait la muraille, peux-tu me laisser la faire si possible? J'ai un bon design en tête. Ok, why not? Ok, Timo. Go pour le design. Donc là, j'ai mangé un petit peu parce que la bouffe descend quand même un petit peu, hein, faut pas déconner. Et donc, on va aller voir la base de l'équipe adverse parce que c'est plutôt sympa. Et puis, on va essayer de les pranker hein, direct. Ah, il y avait déjà un bateau, bon, ok. Non, on va pas les pranker, mais. Ce serait quand même un peu fort quoi, je. Mais justement c'est aussi ça qui est intéressant, c'est que comme il y a la rivalité entre les deux bases, on peut se pranker plus facilement. C'est-à-dire que ça va être mieux toléré puisque c'est dans un esprit de chacun contre chacun en fait. C'est-à-dire que on est les uns contre les autres. Elle est par ici. Ok, j'ai récupéré un lilypad. Ok, donc là on arrive au spawn. Ah, je peux pas sortir mon bateau, très bien. Ah, ok, c'est tremblement de terre. Ok, merci. Je récupère le bateau. Et on va aller voir un petit peu ce que c'est. Donc ça c'est le spawn. Donc c'est l'endroit en fait à équidistance des deux bases. Aïe. J'ai mangé un petit peu une carotte. Donc cet endroit-là, il est plutôt sympa. Il y a même un petit jump que j'arrive pas à faire. Mais bon, j'y arrive pas. Hardblock saison 2, hein, bien sûr. Alors ici, on a un village. Ok, why not? Je vais aller voir le village. Donc oui, on est en 1.13.2 parce que enfin, les snapshots 1.14 sont assez buggés. On avait essayé de démarrer en 1.14, on avait même fait un stream et tout dessus. Mais peu de temps après, le serveur a crashé sans pouvoir redémarrer sans crasher. Du coup, bon, on a un petit village quoi. Je suppose que la forge a déjà été pillée. Donc je vais aller à la base ennemie qui se trouve dans cette direction. Donc cette saison-ci ce sera en 1.13.2 et puis on verra si on met à jour en 1.14 quand la 1.14 sortira. Et je pense pas que la saison dure très longtemps en fait.
Du coup, je pense que la 1.14 en fera une nouvelle saison propre. On verra un peu pour un nouveau concept. Je compte sur vous pour nous donner des idées. Hein. D'ailleurs, si vous avez des idées quant à l'affrontement en quelque sorte entre les deux bases, je suis assez preneur. Donc voilà. Alors là, on devrait bientôt voir la base ennemie. Attendez, je vérifie les coordonnées quand même. Ah! Bah voilà! Ah oui, d'accord, on part quand même sur un sacré truc bien béant. À côté d'un village en plus. Ça, c'est une forteresse dans une montagne. Ah ouais, d'accord, ça va être des doubles remparts et tout, ouais. Ok. Ah ouais, c'est sympa. Et un cheval. Il y a pas mal de coffres. Ah, il y a 8 diamants, tiens, merci. Hop, voilà. Non, je rigole. On va quand même pas faire ça. On a un chest ici, ok. Tiens, je vais remettre ça. Voilà. Ok. Bah, c'est sympa. J'ai jamais vu leur base avant. C'est quoi? Ah, c'est une usine à pêche. Ok. Bon, bah voilà, hein, je pense qu'on a fait le tour. Donc, du coup, nous, il va falloir qu'on construise un peu plus notre base parce que dès ce soir, on fait un live normalement. Si je dis pas de bêtises, donc le jour où sort cette vidéo, il y a un live et on va faire un capture the flag entre les deux bases. Donc il y aura un drapeau dans cette base et un drapeau dans la nôtre. Et le but ce sera de se capturer mutuellement le drapeau. Histoire de gagner en fait, voilà, c'est dans ce principe là. Donc voilà. Alors en fait non, peut-être qu'on va pas faire de stream ce soir. À vrai dire, je sais pas trop, ça dépend de mes disponibilités, mais je suis pas sûr de pouvoir, donc on verra bien. Bon bah on va retourner à la base. C'était plutôt pas mal. Et je me prends toujours des dégâts de chute, c'est horrible. Bon bah voilà, c'est bon, on est rentré à la base. Du coup, je vais faire une petite réunion avec les membres de l'équipe. Pour voir un petit peu qui s'occupe de quoi avant le prochain Capture the Flag. Et puis voilà. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Et puis si vous voulez un live aujourd'hui même ou un autre jour, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Et puis voilà. Bye bye.